aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, grâce justement à la crédibilité du président Alassane Ouattara, à la crédibilité de la signature de la Côte d'Ivoire, ce sont 250 milliards qui ont été investis et en cours d'investissement pour les infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les chantiers sont lancés. À Korogo, sont lancés à Yamoussoukro, à Bouaké, à San Pedro et même à Abidjan, pour donner à la Côte d'Ivoire les chances d'organiser cette compétition dans les meilleures conditions possibles et surtout d'accueillir l'Afrique pour une fête de la jeunesse. Et justement, parlons de ces chantiers-là. À quel niveau nous en sommes exactement pour l'organisation de la CAN? Mais ces chantiers sont très bien lancés. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la Côte d'Ivoire elle-même, en dehors de ces chantiers de la CAN, bouge très bien. Vous aurez l'occasion de le constater si vous passez en Côte d'Ivoire, sur le plan de l'électricité, de l'eau, des formations sanitaires, des écoles. Partout, la Côte d'Ivoire est en mouvement, sans compter les ponts et chaussées et notamment les voiries bitumées ici et là. La Côte d'Ivoire change qualitativement grâce aux investissements structurants portés par le gouvernement sous la destérité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Concernant spécifiquement le sport, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce sont plus de 250 milliards investis aujourd'hui dans les infrastructures sportives. Les stades avancent très bien, les chantiers sont tenus. Nous-mêmes, nous rentrons d'une visite dans le handball. Nous sommes arrêtés à chaque étape pour voir ce qui se passe à Yamoussoukro, à Bouaké. Je peux dire que selon les timings prévus, les choses avancent très bien. Et nous serons très prêts, nous serons totalement prêts pour qu'en 2023, la Côte d'Ivoire offre à la jeunesse africaine une fête exceptionnelle.